La commission formation est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de plan de formation. Cette commission est désignée par le CSE, elle est autonome, elle a un secrétaire qui la dirige et elle est totalement indépendante en matière de date, de travaux ou de décisions. Rappel, cette commission formation est créée par le CSE dans toutes les entreprises d'au moins 300 salariés. 300. La commission formation, par ailleurs, peut demander à bénéficier des conseils d'un expert externe qui sera financé par l'entreprise. Attention, toutes les communications, tous les documents qui sont envoyés à la commission n'exonèrent pas l'entreprise d'envoyer les mêmes documents au CSE parce que la commission n'a pas de rôle de décision et on ne lui demande même pas de transmettre au CSE. En fait, cette commission formation travaille essentiellement à la préparation du plan de formation. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est important de le retenir. Le temps passé par le responsable de formation à répondre à toutes les questions posées par la commission, à l'aider dans ses travaux, c'est du temps bien investi parce qu'il va ensuite faciliter la présentation de ce plan au CSE. Le responsable formation doit prendre l'initiative d'inviter la commission chaque fois qu'il prépare une action de formation importante. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien vu et ça facilite le travail. Il est également important et bien vu d'offrir à cette commission formation de l'inviter à des communications d'experts, de façon à la renforcer encore dans sa connaissance des problématiques juridiques et pédagogiques de la formation. Les thématiques que vous pouvez aborder avec la commission formation, c'est le plan de formation, mais c'est aussi la GPEC, c'est aussi la prospective des métiers et aussi les accords, comme par exemple l'accord CPF. C'est très important de les convoquer ou de les inviter chaque fois que vous le pouvez. Et enfin, je le répète, de bonnes relations avec la commission formation sont le gage de bonnes relations avec le CSE.